Horoscope chinois du jour vendredi 12 mai. Horoscope rat. Amour. Votre vie conjugale risque d'être orageuse. L'important, c'est que vous ne tentiez pas d'imposer votre volonté à votre partenaire, comme vous serez enclin à le faire, en estimant que vous seul, détenez la vérité. Laissez la porte toujours ouverte pour le dialogue. Célibataire, votre vie amoureuse s'épanouira dans les meilleures conditions. Certains natifs pourront vivre une journée exceptionnelle en établissant un lien heureux et durable ou en développant harmonieusement une relation existante. Argent. Ne succombez pas à la tentation de l'argent facile. Sous l'impulsion de l'astre Oatin mal aspecté, beaucoup d'entre vous vont certainement se laisser entortiller par les attrape-nigauds en tout genre, tandis que beaucoup d'autres se lanceront dans les placements mirobolants en se croyant prévoyants. Pour l'instant, les astres ne semblent pas vouloir vous consentir une chance, même minime, de gagner votre pain sans sueur à votre front. Et puis, ce n'est jamais quand on en a vraiment besoin que la chance nous sourit. Santé. Vous serez plutôt dans un courant positif. Vous vous sentirez bien dans votre peau et chercherez tous les moyens de vous maintenir en forme. Pour certains natifs du Nanéter, cependant, possibilité d'une légère tendance à la morosité. Pratiquez un sport qui vous permettra de vous dépenser à fond. Et pratiquez-le, dans la mesure du possible, en plein air. Travail. Votre vie professionnelle ne se présentera pas trop mal. Le court terme ne vous intéressera pas. Vous élaborerez de vastes projets et vous prendrez d'importantes décisions susceptibles de modifier votre avenir. Mais il ne faudra pas vous attendre à des victoires faciles. Certains obstacles vous paraîtront infranchissables. Mais vous vous acharnerez tellement à surmonter ces difficultés que vous ne manquerez pas de sortir vainqueur. Citation. La vertu ne tient sa noblesse de personne sinon d'elle-même. Horoscope buffle. Amour. Une nouvelle phase de votre vie conjugale va probablement se jouer car vous deviendrez subitement plus mesuré que d'habitude dans vos réactions. Vos relations avec votre conjoint s'en trouveront considérablement améliorées. Célibataire, votre horizon semble plein de promesses. Ce sera une journée favorable à l'amour, aux fiançailles, au mariage et à tous les projets sentimentaux. Tout cela est merveilleux, et vous seriez impardonnable si par étourderie ou par négligence vous n'en profitiez pas au maximum. Argent. Avec cette posture de l'astre Furnkak dans votre ciel, vous aurez intérêt à vous montrer prudent et économe. Non que votre équilibre budgétaire soit sérieusement menacé, mais plus vous serez prévoyant et mieux vous vous sortirez au cours des semaines à venir, qui seront par moments chahutées. Santé. Même si vous étiez déprimé ces derniers jours, vous allez retrouver aujourd'hui, grâce à l'amour, une forme éblouissante. Vous vous sentirez parfaitement bien dans votre peau. Quand le cœur va, tout va. Travail. Si vous voulez monter votre propre affaire et si vous cherchez des collaborateurs ou des associés, la chance devrait vous sourire à la faveur de cet aspect de l'astre Kepsa. Vous trouverez la perle rare. Pour tous, le travail sera fructueux. Horoscope Tigre. Amour. Cette journée devrait entraîner une mise en place ou une décision concernant votre vie de couple, autant sous l'angle de la raison que de sentiments. Dans tous les cas, des joies partagées, des satisfactions du cœur et une plus grande sérénité dans les rapports avec les trop chers vous sont promises par les astres. Bonne perspective pour les célibataires des deux sexes. Ils peuvent s'attendre à un coup de foudre réciproque et peut-être ainsi trouver le bonheur de la vie à deux. Argent. Quoi qu'il arrive en cette journée, n'espérez pas gagner un pactole, Truongxin étant un astre qui a tendance à priver et à restreindre, il est peu probable qu'il vous permette de doubler vos revenus en ce moment. Il vous confisquera aussi toute chance pure. Santé. Vive la sieste. Si elle n'est pas trop longue, elle n'a aucune incidence néfaste sur le sommeil nocturne. Ne craignez donc pas les insomnies. Au contraire, la sieste libère du stress, et par son action relaxante, elle prépare d'autant mieux à un sommeil profond et réparateur. Ce sont souvent les personnes les plus stressées, actives pendant la journée, qui souffrent de problèmes d'insomnie. Travail. Une forte énergie, un accroissement de vos aptitudes d'organisation sont de bons atouts qui vous aideront à réussir dans votre travail. Vous serez très consciencieux. Ne soyez quand même pas trop perfectionniste, car vous risquez de vous perdre dans des détails futiles. Votre intuition vous permettra de découvrir et de déjouer certaines intrigues dont vous auriez pu faire les frais. Horoscope chat. Amour. Les rapports conjugaux seront sous de bons auspices. L'accord sera parfait en bien des points. La journée serait bien choisie pour effectuer quelques embellissements au foyer, pour le rendre plus accueillant ou plus confortable, sans qu'on ait à se ruiner. Célibataire, vous aurez tendance à vous emballer trop facilement en amour. Certes, vos rencontres seront nombreuses, mais beaucoup seront davantage intéressées qu'intéressantes.
Toutefois, cela n'empêchera pas certains d'entre vous d'envisager de fonder un foyer. Argent. Les astres vous attribueront une chance certaine sur le plan financier. Mais vous devrez éviter de voir trop grand dans vos entreprises, car vous pourriez vous laisser aller à prendre des risques inutiles, pouvant entraîner de lourdes pertes. Santé. Vu cet environnement astral, voici le moment ou jamais de vous faire plaisir gastronomiquement, de consommer des produits laitiers, qui font partie de vos aliments préférés. L'effet apaisant de ces produits vous permettra de mieux résister aux influences astrales adverses. Toutefois, veillez à prendre des fromages ne dépassant pas 20% de matière grasse, et buvez du lait demi-écrémé. Les yaourts nature sont conseillés à l'exclusion des yaourts aromatisés et sucrés. Travail. Des projets prévus de longue date, pour cette fois-ci pourraient être retardés. Surtout, ne vous découragez pas. Bientôt les circonstances vous seront à nouveau favorables. Horoscope Dragon. Amour. L'UA, la planète du temps et de l'austérité, vous donnera envie de tendresse et de stabilité, plutôt que de flirter d'aventure. Les solitaires n'accorderont donc pas la priorité à leurs amours, et les natifs mariés formeront avec leurs partenaires une équipe efficace, plutôt qu'un couple d'amants passionnés. Pour quelques natifs d'une année métal, cependant, l'astre Truongxin va réveiller leurs ardeurs, au point de les plonger assez rapidement dans une grande passion. Argent. La journée sera favorable aux investissements pour tous les natifs du signe. Mais peut-être serait-il opportun de consulter un psychologue compétent à propos de vos associés. Le prix d'une bonne consultation n'est pas une dépense superflue, mais un investissement immensément profitable. Santé. Les planètes Wallock et Angloan vous inciteront et vous aideront à retrouver ou à conserver votre équilibre physique et psychologique. Apprenez à mieux gérer votre capital énergie en dosant vos efforts et en misant sur une bonne hygiène de vie. Sans oublier de vous entourer de personnes positives, qui vous transmettront leur optimisme. Travail. Un climat favorable à prééminence plutonienne vous permettra d'accroître votre vivacité et d'augmenter votre efficacité dans votre profession, surtout si vous appartenez à une année bois. N'hésitez donc pas à entreprendre. Lancez-vous sans complexe dans la réalisation de vos projets les plus ambitieux. Horoscope Serpent. Amour. Votre ciel conjugal ne sera pas de tout repos, mais l'astre Fionkak vous donnera la chance de savoir prendre du recul par rapport à vos tribulations. Même si le tonnerre gronde, si la foudre éclate, vos battements de cœur resteront sereins. Célibataire, l'amour que vous trouverez en ce moment sera fort en sensation. Vous aurez tous les atouts pour entraîner qui vous voulez dans une histoire pleine de sensualité. Argent. Évitez de vous lancer dans des transactions financières importantes aujourd'hui. Vous auriez une fâcheuse tendance à tout compliquer, bref, à vous mélanger un peu les pinceaux. Ça ira mieux plus tard. La journée sera idéale pour acheter un billet de loterie ou jouer au loto. N'oubliez pas de consulter votre nombre de chances du jour. Santé. Vous voudrez sans doute avoir vite une meilleure forme physique. Alors, adoptez la formule remise en forme express, proposée par plusieurs centres de cure de thalassothérapie ou hôtels, qui sont obligés de s'adapter au rythme de vie trépidant que nous menons tous. Cette cure, qui dure 3 jours, combine harmonieusement nourriture légère, activité sportive, soins de beauté et repos. Travail. Au travail, la chance jouera en votre faveur. Elle sera propice à la réussite de quelques coups d'audace. Il vous faudra user de beaucoup de tact et de diplomatie si vous travaillez en équipe ou si vous dirigez du personnel. Abstenez-vous de hausser le ton et restez courtois dans vos propos. Horoscope Cheval. Amour. Une folle passion pourrait vous pousser dans les bras d'une personne peu disposée à vous apporter le calme et la stabilité dont vous avez un grand besoin pour contrebalancer votre comportement souvent anarchique. Prudence donc. Mais il est vrai qu'en général, on n'est pas maître de son cœur. Seriez-vous capable de démentir cette affirmation de Marivaux en faisant prévaloir la raison ? Argent. Si vous devez solliciter un prêt ou régler une transaction financière de première importance, ce sera le moment parfait. Vos chances de réussite seront fortement accrues. Meilleure chance au jeu aussi ? N'oubliez pas de consulter votre nombre de chances. Santé. Vous retrouverez votre allant si vous ouvrez un peu vos soupapes, car les influx astraux seront des plus favorables à un regain de vitalité. Une bonne séance de cinéma, une bonne partie de tennis ou un dîner en ville pourraient suffire à vous remettre sur les rails. Chassez énergiquement ces pensées morbides dans lesquelles vous vous complaisiez depuis quelque temps. Travail. Vous avez des projets plein la tête, et vous aurez déjà hâte de connaître le résultat des actions que vous n'avez pas encore entreprises. Tâchez de maîtriser votre impulsivité et votre impatience, qui ne pourront que vous nuire. Procédez par étapes, en ne laissant rien au hasard, et vous récolterez des succès à profusion.
Rappelez-vous toujours que la diligence est la mère de la bonne fortune. Horoscope Book. Amour. Votre vie conjugale va bénéficier pleinement de la protection du ciel. Premier point favorable, l'astre en Kang. Mais il y aura mieux, la planète Oaké vous promet une journée particulièrement faste. Vous vivrez des moments heureux en compagnie de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, avec cet aspect de l'astre Ongloan, vous aurez droit à une vie amoureuse plus réjouissante que dernièrement. Nombre de solitaires auront droit à une rencontre qui leur fera battre le cœur. L'ambiance sera très chaleureuse et sensuelle. Argent. Sur le plan financier, la planète Funcao mal aspectée pourrait inviter certains natifs du signe à s'engager dans des affaires louches ou des travaux noirs. Ce ne serait pas sans risque, bien entendu, et ces natifs pourraient être victimes de personnes qui ne respectent pas la parole donnée ou qui chercheraient à les exploiter. Santé. Ambiance astrale très favorable à la santé. Tous ceux qui souffrent de fatigue ou d'une maladie chronique vont voir leur état s'améliorer nettement. Pour conserver le bénéfice des impacts célestes positifs actuels, adoptez une sérieuse hygiène alimentaire. Vous savez bien qu'en tant que natif de ce signe, vous êtes un peu trop gourmand. Diminuer les sucreries et les chocolats vous fera du bien. Travail. La journée, placée sous le patronage de l'astre Funcao, favoriserait les déplacements d'affaires, l'étude, le recyclage. Les natifs exerçant des fonctions publiques ou politiques accéderont à des charges plus importantes. Horoscope Singe. Amour. Journée particulièrement faste sur le plan du cœur. La planète Vukuk en excellent aspect sera le gage d'un grand bonheur amoureux. Les couples anciens retrouveront un deuxième souffle de tendre passion. Les autres, emportés par des sentiments intenses, profonds, passionnés, formeront d'heureux et bénéfiques projets d'avenir, qu'un mariage viendrait vraisemblablement couronner dans une ambiance de liesse. Argent. En raison des tensions célestes actuelles, vous devrez faire preuve d'une certaine méfiance. En effet, des personnes peu scrupuleuses pourraient chercher à vous soutirer de l'argent sous prétexte de vous aider à faire fructifier vos ressources. Évitez également de prêter des sommes importantes à de simples relations. Santé. Ambiance astrale ambiguë, pas facile de s'y retrouver. D'un côté, l'astre Ongloan en cet aspect lisse présage et dynamisme et bon moral. Mais de l'autre, l'astre Thaïam mal aspecté annonce de la fatigue et une tendance à ressasser des idées lugubres. C'est à vous de chercher à pencher du bon côté. Travail. Avec cet aspect de l'astre Tienduc, le moment sera bien choisi pour redresser les affaires difficiles ou, si tout va bien, de passer à la vitesse supérieure. Profitez de l'ambiance favorable pour liquider définitivement certains obstacles qui vous gênaient depuis longtemps et dont vous n'avez jamais réussi à venir complètement à bout, comme par exemple les réticences ou résistances de vos collaborateurs ou associés. Horoscope Coq. Amour. Avec l'appui de l'astre Tuan bien aspecté, plus que jamais vous assumerez vos responsabilités conjugales et familiales avec un sérieux exemplaire. Sur ce point, votre conjoint ou partenaire ne pourra strictement rien vous reprocher. Vous réglerez les problèmes domestiques et matériels avec un maximum d'efficacité. Et si vous multipliez les petites attentions à l'égard de l'autre, soyez sûr qu'il ne s'en plaindra pas. Célibataire, vous serez extrêmement sélectif, et bien peu de personnes auront grâce à vos yeux. Pas facile, dans ces conditions, de rompre avec la solitude amoureuse. Argent. Le climat astral sera des plus ambigus concernant vos finances. D'un côté, vous allez bénéficier du soutien de l'astre Bata, qui va vous aider à améliorer votre équilibre budgétaire. Mais de l'autre, attention, de Vuong, astre beaucoup moins facile à vivre, influencera aussi le secteur d'argent de votre thème. De Vuong n'affectera pas le train de vie de tous les natifs, mais pour quelques-uns d'entre eux, elle pourra provoquer une déception. Santé. Votre équilibre physique sera sous l'influence de Tian Kong, une planète bénéfique, qui vous évitera les ennuis de santé. Il faudra toutefois veiller à ne pas céder à un excès de gourmandise, ce qui est toujours possible avec l'astre Tessa. Si vous souffrez d'une maladie grave ou chronique, les traitements en cours se révéleront efficaces, ou permettront au moins de vous valoir un meilleur confort de vie. Tessa est en effet l'astre lié aux soins et aux médecins. Travail. Mal à l'aise et porté vers l'agressivité, vous aurez des difficultés à contrôler votre impulsivité et vos moments de colère. Il serait temps que vous mettiez de côté vos vieilles rancunes et que vous fassiez la paix avec vos collègues, sinon votre comportement hostile pourrait tout faire basculer. Horoscope Chien. Amour. Il serait malvenu de chercher à provoquer la jalousie de votre partenaire. Ses réactions risquent d'être très violentes, et ce serait l'escalade de l'agressivité, ou le début de la fin d'une union. Célibataire,
Si vous venez de connaître un déboire amoureux, soignez votre mise extérieure et repartez à la conquête des cœurs. Sachez que, grâce à la compréhension et à la complicité de la planète Waco en bel aspect, vous ne tarderez guère à faire la connaissance d'une nouvelle personne, dont le charme et le caractère vous enchanteront. Argent. Un peu de prudence côté argent semble nécessaire. Non que vos perspectives financières soient réellement bouchées, l'ensemble du ciel vous sera en effet plutôt favorable sur ce plan. Mais avec cet aspect de l'astre ongloine, il faudra vous méfier de la précipitation. Qu'il s'agisse de décider d'un achat ou d'un investissement, de choisir un placement, ou d'échelonner vos dettes, prenez le temps de réfléchir, et ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Santé. Déclarez la guerre aux petits ennuis de santé qui se reproduisent régulièrement. Pour cela, commencez par vous faire un check-up médical complet. Puis menez une vie saine, calme, bien ordonnée. Travail. Vous serez apprécié par vos idées originales. Mais il faudra éviter de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. De la conception à la réalisation, il y a encore un grand pas à franchir. Horoscope cochon. Amour. Les astres Diakong et Truongsin augurent d'une vie de couple plutôt remuante. Mais dans quel sens? Si votre histoire tient la route, vous aurez sans doute envie de prendre un second souffle, avec des projets nouveaux. Mais si, hélas, votre union donne des signes de faiblesse, les tensions entre vous pourraient alors s'accentuer. Célibataire, l'amour avec un grand A, vous donneriez beaucoup pour le trouver. Et pourtant, cette fois encore, il a peu de chances d'être au rendez-vous. Si vous en profitiez pour faire un bilan de vos relations affectives passées? Argent. Calme plat presque parfait dans le domaine pécuniaire. Certes, vous ne bénéficierez d'aucune chance particulière, mais vous éviterez aussi, du même coup, les mauvaises surprises qui menacent tant d'autres signes en ce moment. Contentez-vous de gérer sagement votre budget, en fourmi prévoyante et organisée, comme vous savez en général si bien le faire. Attendez pour modifier vos placements, le ciel vous sera plus favorable bientôt. Santé. Aujourd'hui vous risquez de devenir plus gourmand que gourmet. Vous ne serez pas pour la sophistication, c'est la quantité qui primera sur la qualité. Bien entendu, vous aimez les bonnes recettes de terroir, du cassoulet à la bouillabaisse en passant par la bonne vieille choucroute. Mais une salade de tomates bien fraîche, parsemée de cerfeuil, ou un beau plat de pommes de terre au beurre et au persil feront aussi vos délices. Et vous ne négligerez pas le bon vin, votre péché mignon. Alors, forcément, votre système digestif finira par être fragilisé. Rappelez-vous que la gloutonnerie a tué plus de gens que la famine, le Talmud. Travail. Avec la bénédiction des astres, vos projets professionnels auront de grandes chances d'aboutir dans les meilleures conditions. Mais il importera d'agir avec discernement. Méfiez-vous d'un comportement trop anarchique, sachez mesurer et coordonner vos efforts. Sporadique, il vous empêcherait d'effectuer une progression harmonieuse en entraînant de nombreuses possibilités d'échecs.